Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de terminer l'entraînement au sprint. Alors pour réaliser ce défi, tout d'abord, vous allez devoir aller vérifier dans vos paramètres si la touche sprint a bien été activée. Donc vous allez dans vos paramètres de touche, donc là moi je vais dans personnalisation, et là vous pouvez voir que ma touche L, donc mon joystick de gauche, ma touche L3, est assignée à sprinter ou sprint auto. Si vous n'avez pas cette touche assignée, enfin cette fonctionnalité de sprinter et sprint auto sur une de vos touches, vous ne pourrez pas réaliser le défi. Donc allez dans vos paramètres, sélectionnez la touche que vous voulez assigner, la touche sprinter, et ensuite sélectionnez la touche sprinter et sprint auto, voilà, comme ceci. Quand ceci est fait, vous avez un autre paramètre que vous allez pouvoir régler. Ici, c'est course automatique manette. Moi, je le mets oui. Moi, je vous conseille de mettre oui. Comme ça, quand vous allez avancer, ça va courir automatiquement. Et ici, dans paramètres, vous avez déplacement, appuyez une seule fois sur le sprint pour sprinter. Donc, moi, je vous conseille de mettre oui. Comme ça, vous appuyez une seule fois sur la touche L3, donc le joystick de gauche pour sprinter. Ensuite, vous appliquez vos paramètres. N'oubliez pas d'appuyer sur triangle pour appliquer vos paramètres. Ensuite, vous revenez dans le jeu. Et là, donc, pour sprinter, vous allez juste devoir avancer. Comme vous avez la course automatique, ça court tout seul. Ensuite, vous appuyez une fois sur L3, donc le joystick de gauche. Et là, vous allez sprinter. Et regardez, en haut de ma barre de vie, il y a une barre de sprint. Et quand j'arrive au bout de cette barre de sprint, ben, je ne peux plus sprinter. Après, elle se recharge. Vous pouvez l'utiliser en cours de rechargement ou alors vous la laissez se recharger automatiquement. Donc, pour terminer le défi, vous allez devoir sprinter à fond pendant 5 secondes tout en courant. Donc, vous courez. Et vous sprintez pendant 5 secondes. Et là, vous terminerez le défi qui est de terminer l'entraînement au sprint. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.